Bonjour YouTube, comment ça va? Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, qu'on s'est pas parlé en face cam comme ça, tous les deux. Et ben ça, c'est plutôt cool. Pourquoi? Parce que c'est la fin d'année. Et oui, c'est déjà la fin d'année parce que je sais compter. On est déjà le 30 décembre 2018. Et si on se souvient bien, le 2 janvier 2018 précisément, j'avais fait une vidéo, les produits high-tech les plus attendus de 2018. Et donc, dans cette vidéo, je vais répondre un peu à ce que j'avais pu dire il y a 12 mois auparavant. On va voir mon changement capillaire, changement de caméra, changement de light, changement de décor, bref, tout ça. Et surtout, en fait, on va découvrir que en janvier 2018, ce que j'ai dit qui devrait donc sortir durant cette année, eh ben c'est vraiment sorti. Comme quoi, il n'y a plus besoin de se dire est-ce que ça va sortir ou est-ce que ça va pas sortir. Venez voir mes vidéos au mois de janvier et vous verrez tout ce qui va sortir durant cette année. Et on va également voir dans cette vidéo les produits qui ont été un peu des best-sellers cette année, qui ont cartonné, qui n'étaient pas non plus hyper prévus. Alors déjà, chez Samsung, j'avais dit qu'il y aurait le Galaxy S9, il est sorti, le Galaxy Note 9, il est sorti. J'avais dit qu'il y aurait un Galaxy E, tu sais, ce smartphone comme ça, boum, à écran pliable qui devait sortir durant cette année. Il n'est pas sorti, il y a simplement, il y a quelques semaines de cela, il était présenté en Asie pour une sortie qui de base donc est prévue pour 2019, mais ça on aura le temps d'en reparler dans une vidéo qui va arriver dans quelques jours sur les produits les plus attendus de 2019. Chez Apple, en janvier 2018, on s'attendait déjà à 3 iPhones, un de 6,1 pouces en LCD, l'iPhone XR, un de 6,4 pouces en Retina, l'iPhone XS Max, et un en 5,8 pouces Retina, l'iPhone XS. On attendait l'Apple Watch Series 4, on l'a eu. On attendait le HomePod, on l'a eu. On attendait des nouveaux Macs, on ne savait pas exactement quoi. On a eu le MacBook Air Retina. On attendait un nouvel iPad dont on avait déjà le design en janvier 2018. On l'a eu également. Par contre, on attendait un AirPower, on l'a pas eu. À des AirPods 2, on les a pas eu non plus. Peut-être que ça viendra en 2019, ça encore, on en reparlera. Chez Huawei, on n'a pas eu le P11, mais on a eu le P20. On a eu le Mate 20 Pro également. Chez BlackBerry, le Kitu. Chez Honor, une pléiade de nouveaux smartphones, dont bien entendu le Honor 8X. Chez Snapchat, on a eu bien entendu les nouvelles versions de lunettes Snapchat. On a eu les Snapchat Spectaculars 2, entre guillemets, V2, qui sont plusieurs coloris, dont je me sers beaucoup et que j'apprécie beaucoup, outre le fait que j'utilise de moins en moins Snapchat. Et surtout, on a une V3, entre guillemets, qui est sortie à la rentrée 2018, qui, elle, pour le coup, était beaucoup plus, entre guillemets, d'après Snapchat, dans l'air du temps, alors que pas du tout. Je les trouve horribles, que ce soit la version masculine Nico ou la version féminine Vero. Elles sont très moches, elles sont très chères, et franchement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir sorti ce style de lunettes-là. Mais bon, passons. On attendait des drones DJI, on les a eu. On a eu les nouveaux Mavic Pro chez DJI. Chez Parrot, on a également eu des nouveaux drones, le Hanafi, qu'on avait pu prendre en main il y a quelques mois de cela en Corse. Oui, en Corse avec monsieur Guillaume Auchan, c'était très sympathique d'ailleurs. Grosso modo, tout ce qui a été présenté, tout ce que j'avais pu dire en janvier 2018 est sorti durant cette année. C'est dingue quand même. Comme quoi, ça sert à rien de se dire au mois de janvier, est-ce que je dois attendre quelques mois pour changer de téléphone? On sait dès le mois de janvier le planning des sorties de téléphone, le planning des sorties de drones. Si t'es pas ultra pressé, attends et tu auras les vrais bons produits, nouveaux produits. Et si tu pas les nouveaux produits parce qu'ils sont trop chers, justement attends qu'ils sortent et les anciens seront moins chers. C'est un peu la combine que beaucoup de personnes font et franchement ça sert vraiment beaucoup. Mais outre ces produits qui étaient annoncés prévus, on a eu d'autres produits qui n'étaient pas non plus hyper attendus mais qui ont cartonné. Le premier exemple, c'est les trottinettes électriques. C'est ouf, mais ça a cartonné durant cette année 2018 et je m'y attendais pas du tout parce que je l'ai pas du tout vu venir. Je trouvais que les trottinettes électriques, c'était des gens de 50 ans qui étaient en costume dessus avec une sacoche ou un sac à dos qui était comme ça devant et qui avançait tout seul. Et je trouvais qu'ils avaient une dégaine, mais affreuse, totalement affreuse. Je refusais au début de les utiliser parce que je trouvais que c'était hyper kitsch. Un jour, je les ai utilisés et depuis, je suis tombé amoureux parce que c'est ultra pratique. C'est pas si cher que ça et surtout, ça te fait un gain de temps, mais pas possible. Souvent, tu fais entre 1 et 3 km avec. T'en as pour 1 à 2 euros et c'est le prix en soi d'un ticket de métro que tu habites dans une grande ou une moyenne ville. Et le ticket de métro, il te permet d'aller ou d'un point A du métro à un point B du métro. Et après, il faut que tu marches. L'avantage de la trottinette électrique, c'est quoi? C'est que tu la trouves très souvent en bas de chez toi. Tu vas d'un point A à un point B, mais de chez toi à là où tu dois aller précisément. Tu en as tout au long de la journée et de la nuit. Ça te fait découvrir la ville, ça te fait prendre l'air et ça te fait kiffer parce que tu es sur ta trottinette, t'accélères et tout. C'est trop cool. Mais je m'attendais pas du tout que ça cartonne autant avec Lime, Bird et tous les autres services qui existent. Moi, à Paris comme à Lyon, eh bien, je m'amuse avec les trottinettes et dès que je peux en prendre, je peux en prendre. Mais de toi à moi, les villes qui ont des pavés par terre, c'est pas la folie. Voilà. Également, autre point qui a marqué pour moi 2018, c'est quoi donc en termes de produits high-tech? C'est les smartphones avec les encoches. On a eu du Honor, du Huawei, du LG, du OnePlus, du Apple, du Oppo. Bref, on a eu plein de marques de smartphones qui ont créé des encoches sur leur téléphone. Il y a une photo qui avait tourné il n'y a pas longtemps sur Instagram qui avait l'évolution de l'encoche de l'iPhone à l'encoche la plus petite. Et la plus petite, entre guillemets, c'est un cercle. C'est un petit cercle et on le voit. Petit à petit, depuis quelques semaines, il y a eu des conférences qui ont été faites en Asie. On sait que le berceau de la technologie, bien entendu aujourd'hui, c'est l'Asie. Et bien directement, certains smartphones vont être annoncés en 2019. Par exemple, le 22 janvier 2019, Honor va faire une conférence dans laquelle ils vont dévoiler un smartphone, un nouveau smartphone, avec un nouveau style ou un nouveau type d'encoche. Plus d'encoche avec une grosse barre au-dessus, non, loin de là, ce sera simplement le petit trou de l'appareil photo qui sera positionné sur l'écran. Et donc tout autour, ce sera un écran, comme tu peux avoir aujourd'hui sur ton smartphone. Donc j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en 2019. Si
les premiers smartphones qui vont sortir ça, Honor, Huawei, Samsung, vont lancer la mode pour les autres smartphones comme à l'époque, Apple, en septembre 2017, a sorti en coche et donc tout le monde a suivi par derrière. Donc bon, à voir, mais pour moi, 2018 est vraiment marqué par les smartphones avec les encoches et aussi et surtout ces fameuses trottinettes électriques. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si toi, tu utilises des trottinettes électriques. Concrètement, 2018 a été une grosse année en termes d'high-tech, mais il n'y a pas eu The Produit of the Year cette année parce que franchement, on m'a beaucoup et souvent demandé quel est le produit high-tech qui va cartonner à Noël. Pour moi, il n'y en a pas. Cette année, il y a zéro produit high-tech qui cartonnait. L'année dernière, c'était les assistants vocaux qui cartonnaient, principalement Google Home, parce que Alexa n'était pas encore disponible et le HomePod non plus, pour le marché français, bien entendu. Cette année, il n'y a rien eu. Si toi, pour toi, il y a un produit high-tech qui a cartonné cette année et qui a été un best-seller à Noël, dis-le moi également en commentaire parce que moi j'ai pas réellement d'idée et j'ai pas su quoi répondre. En tout cas, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes, un bon Noël, que tu as bien mangé, bien bu, j'en sais rien, et fait du ski parce que le ski c'est la folie. Merci, grand merci beaucoup à toi de m'avoir suivi durant cette année 2018 et j'espère que 2019 tu as encore plus kiffé. Et pour terminer, parce que je récompense toujours ceux qui sont jusqu'à la fin de la vidéo d'ailleurs, si tu es jusqu'ici et que tu n'as pas encore mis de commentaire parce que ça fait quand même 3 fois que je t'en propose, mais en hashtag until the end, Guillaume, je t'ai volé ton hashtag pour savoir si tu es resté vraiment jusqu'à la fin. Et rien que pour toi, sur mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram, tu as le lien en description, tu as la possibilité de gagner jusqu'au 31 décembre 2018. Donc faut se dépêcher, un iPhone XS couleur, stockage et taille au choix, ainsi qu'un Huawei Mate 20 Pro. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux, pourquoi pas, combler tes cadeaux de Noël parce que tu n'en as peut-être pas eu assez ou que justement tu en as trop eu et que tu en veux encore plus. Tu sais ce qu'il te reste à faire, va sur mes réseaux sociaux, va participer et fais-toi kiffer. Donc voilà, grand merci à toi, on se voit très vite en vidéo et puis moi j'ai juste à dire bye bye, ciao.